Bon alors, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Alors voilà, quand on prend le poste d'un gaucher, après on est perdu. Tout est inversé. Voilà. Moi, j'ai suivi le conseil de Maxime. Et hop, Maxime dit qu'il faut tourner comme ça. Mixte. Donc, qu'est-ce que tu nous prépares, Maxime? Alors là, chef, je prépare une galette avec une fondue de poireaux et du poulet champignon. D'accord. Le poulet, il a été préparé comment? À la plancha. On l'a fait revenir grillé sur la plancha, sur les deux côtés. Ouais. Et avec un peu de sel et de poivre, tout simplement. D'accord. Et la petite fondue de poireaux? La petite fondue de poireaux, on l'a fait revenir avec du beurre et après, on l'a crémé. Ouais. Et avec une petite pointe de moutarde à l'ancienne, il me semble. D'accord. Donc, ok, bah, peut-être que maintenant ce serait bien que tu mettes ta fondue de poireaux au milieu. Oui. Avec ta cuillère. Voilà, on a une dose ramequin. Voilà, tu la mets bien au milieu. Je vais l'étaler. Ouais, c'est bien, il faut l'étaler un petit peu. Valeur d'une grande main, quoi. Tu vois, bah, doucement pour pas trop abîmer le fond. D'accord. Je vais beurrer mes côtés aussi, surtout ouais, celui qui est le plus cuit. Et donc les aiguillettes de poulet, tu as dit, revenues à plancha. Et puis, je crois que tu as quelques champignons aussi. Regarde, comme tu as de la place, tu pourrais mettre tes champignons déjà ici. D'accord. Non, mets tes champignons un petit peu là sur le bord. Très bien. Voilà, donc les champignons, c'est pareil, on les a passés un petit peu à la plancha avant. Un peu plus. Ouais, le mieux, ce serait que tu utilises une pince hein, pour la poire. C'est des réflexes qui vont s'apprendre. Donc là, tu vois, je mettrai un petit peu de beurre déjà. Et là, je relèverai ce côté-là. Ce côté-là. Celui-ci, là, tu vois, je ferai le pliage ici. Je vais faire ma délimitation. Ouais, si tu veux, comme ça, pas mal. Voilà, tu vois, c'est bien crasse. Bien côté. Et puis maintenant, tu peux... Poser mes poulets. Mets tes poulets à griller. Les aiguillettes de poulet à griller ici. Moi, c'est juste réchauffé parce qu'on les a préparés déjà. Oui. D'accord, voilà. Ça va faire une belle assiette. Donc, très bien. Je pense qu'ici, ça va commencer un petit peu à griller. Donc, tu vas peut-être plus étaler un petit peu plus. D'accord. Mais hein, c'est pas c'est joli comme ça. Voilà. Et puis, voilà, je te conseillerais de replier ici. Je vais faire ma délimitation. Alors, après, c'est selon tes. Attends, je vais t'aider un petit peu. Ah, bah oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est. Quand on démarre, on est là. Donc toi, ton idée de te former, c'était notamment pour pouvoir trouver un poste de saisonnier. C'est ça, chef. Hein, parce que tu vas commencer à faire des extras. Et tiens, voilà, tu vois, c'est bien arrangé. Merci, donc, chef. Là, je pense que tu peux reprendre tes aiguillettes de poulet, les mettre à travers. Oi. Et donc, tu es dispo... Ouais, parce que tu as fait de la cuisine avant, toi, déjà. Je sors d'un CAP cuisine sur 2 ans. Ok, parfait. Et pourquoi la crêpe, la galette, ça t'est venu comme ça? Non, c'est un ami à moi, exactement mon voisin, qui m'en a parlé, qui a été formé aussi ici et qui m'a conseillé du coup l'école Le Rouric. Ouais, il est gentil, mais en même temps, vous avez peut-être été faire des choses ensemble, quoi. Oui. Ça, c'est bien. Tu vois, au moins, on a des petits champignons qui sont pas tout mous. Tu vois, un peu croustillants sur le dessus. Alors, voilà un mode de présentation. Après, quand tu auras la main, tu feras des choses un petit peu plus symétriques. Donc, je crois que tu peux mettre... Alors, tu as aussi préparé une petite sauce tout à l'heure. Oui, c'est exact. Donc, fondue de poireaux, pareil, juste la crème qu'on a fait monter. Ouais. On met ça à la main. Voilà, on se rapproche comme ça. Vas-y, hop là. Pas mal. Alors, le coup de pas, ça viendra après. C'est clair. Tiens, fais voir, je fais télé. Là, et puis, ce que tu croyais bien, c'est que tu mettes un petit peu ta sauce. Super petite sauce. Attention à l'eau. Des petites virgules sur les côtés. Ouais, ou là, tu peux faire une petite déco ici, comme ça. Et ça va attendrir un peu. Non, mais n'hésite pas à... Regarde, fais voir. Ouais, faut pas hésiter à chercher le point d'air. Et hop, tu vois, si tu es régulier, tu peux faire des petites choses comme ça. Si tu as envie, tu fais ça. Après, c'est selon l'humeur du jour. Hein. Oui. Voilà.
Tiens, c'est ton œuvre. Bah écoute mon garçon, c'est bien de t'avoir ici aussi. On mange ou pas ce poulet? Oui. Il s'envole. Il faut, chef, savoir refroidir sinon. Bon allez, c'est bien. Merci à toi, Maxime. Merci à vous, chef. Tu as une bonne crème pour chocolat là. Moi, je vais me régaler. On va se faire péter la France.